Chers amis, quelle grâce d'avoir une année dédiée à Saint-Joseph. Le pape François nous invite à vivre tout au long de cette année en compagnie du Père adoptif de Jésus. Mais que savons-nous de lui, outre son nom et quelques rares épisodes de la vie de Jésus? L'Évangile ne raconte de lui aucune parole. Son langage, c'est son silence. C'est l'écoute de la voix angélique qui lui parle pendant son sommeil. C'est l'obéissance prompte et généreuse qui lui est demandée. C'est aussi le travail manuel sous ses formes les plus modestes et les plus rudes, celle qui valut à Jésus le qualificatif du fils du charpentier en Matthieu 13, verset 55. Rien d'autre. On dirait que la vie de Saint-Joseph est une vie obscure, celle d'un simple artisan, dépourvu de tout signe de grandeur personnelle. Chers amis, Saint-Joseph est père légal et putatif de Jésus. En raison de sa fonction près du Verbe incarné pendant son enfance et sa jeunesse, il fut aussi déclaré protecteur de l'Église, qui continue dans le temps et reflète dans l'histoire l'image de la mission du Christ. De la famille, il a accepté la condition, la responsabilité et le poids, mais en renonçant à un amour naturel, conjugal, qui la constitue et qui l'alimente en échange d'un amour virginal incomparable. Saint Joseph a ainsi offert en sacrifice toute son existence aux exigences impondérables de la surprenante venue du Messie, auquel il imposera le nom à jamais béni de Jésus, en Matthieu 1, verset 21. Il le reconnaît comme le fruit de l'Esprit-Saint. Et Saint Joseph est donc cet homme engagé. Engagé et combien? Il est engagé envers Marie, l'élu entre toutes les femmes de la terre et de l'histoire. Son épouse, non au sens physique, mais une épouse toute virginale. Envers Jésus, il est aussi engagé. Jésus, cet enfant, son fils, non au sens naturel, mais en vertu de sa descendance légale. À lui, le nom, le poids, les responsabilités, les risques, les soucis de la petite et singulière Sainte Famille. À lui le service, à Saint-Joseph le travail, le sacrifice, dans le prénombre du tableau évangélique. Chers amis, Saint-Joseph est amené par les événements d'une façon qui reste mystérieuse pour lui à éveiller sur l'héritier de la promesse Jésus, la vie de Dieu, dont il est lui-même membre. Cette mission lui incombe en raison de son mariage avec Marie. Elle le constitue comme le protecteur de cette maison de Nazareth où Jésus va grandir en sagesse et en grâce, nous dit Saint Luc dans son chapitre 2 au verset 52. Saint Luc rajoute, il leur était soumis. Cette mission confiée à Saint-Joseph d'être le protecteur, le gardien, celui qui veille. Cette mission donc, disais-je, incombe à Saint-Joseph encore aujourd'hui, dans les temps où nous vivons et dans différents domaines de notre existence. Premièrement, Saint-Joseph est reconnu comme protecteur et gardien de l'Église. L'Église comme maison de Dieu, l'Église comme assemblée sainte. Il ne s'agit pas seulement du bâtiment, qui est la maison de Dieu, mais de l'Église comme le véritable temple où Dieu habite chez les hommes. Jésus demeure au milieu des hommes et vit dans l'intimité du Père. Dans l'Évangile selon Saint Luc, il disait « Ne savez-vous pas que je dois être chez mon Père ?» C'est au chapitre 2, verset 49. Comme Joseph a gardé et protégé l'enfant Jésus, présence réelle de Dieu sur la terre,
il continue à garder et à protéger la présence du Père dans l'humanité, rendue visible et efficace par le sacrement de l'Église. Confions donc à Saint Joseph l'avenir mais aussi la sérénité présente de l'Église. Que celui qui veille sur la maison du Christ veille aujourd'hui sur sa maison qui est l'Église. Saint Joseph est le protecteur de l'Église, mais deuxièmement, il est aussi protecteur de l'humanité. En effet, l'Église est fondamentalement orientée vers l'annonce de la bonne nouvelle à tous les hommes. C'est sa mission et sa raison d'être. L'Église ne bénéficie pas de la protection de Saint Joseph pour la mettre à l'abri des tourments de ce monde, mais plutôt pour lui permettre de porter le témoignage de la foi au milieu des tourments de ce monde. Si nous qui croyons en Dieu, en sa présence et en sa force, en son amour, si nous ne sommes pas capables de plus de calme, de plus de sérénité, de plus de confiance que ceux qui ne croient pas, quel peut être notre témoignage? Nous avons besoin de la présence de Saint Joseph pour être au milieu des hommes, des témoins de la sécurité que Dieu apporte à l'humanité. Saint Joseph est protecteur de l'Église, protecteur de l'humanité, mais aussi protecteur de nos familles. Troisièmement, Saint Joseph est protecteur des familles. Il veille sur chacune des maisons qui, à l'image de celle de Nazareth, regroupe des parents, des enfants, des grands-parents. Et nous savons que toutes ces petites communautés domestiques sont aujourd'hui souvent bouleversées. Elles sont travaillées par des forces centrifuges qui remettent en cause la manière même dont les hommes et les femmes de notre temps exercent leurs responsabilités de parents, de grands-parents à l'égard de leurs enfants. Pour que ceux-ci vivent et profitent de cet amour paternel, pour grandir dans la confiance et ne fassent pas au contraire l'expérience des déchirures, de la dispersion et de l'éclatement, nous avons besoin de Saint Joseph. De par le monde, chacune de ces maisons a besoin d'être protégée. Les familles doivent savoir que l'amour est le pilier, le ciment de l'unité. Enfin, Saint Joseph est protecteur de chacune de nos vies. De même qu'il a veillé sur Jésus, sur sa mère Marie à Nazareth, il nous accompagne dans le quotidien de nos vies. Il nous soutient dans nos démarches. Il nous réconforte dans nos difficultés. Il stimule dans nos lassitudes. Il nous appelle quand nous avons tendance à nous endormir. Il est le Père pour chacun. Saint Joseph est donc pour nous un exemple. Un exemple que nous chercherons à imiter tout au long de cette année. Un exemple parce que protecteur. Chers amis, nous allons fêter Saint Joseph solennellement le 19 mars. Mais tout au long de cette année, fêtons Saint Joseph, notre Père, notre protecteur, notre guide. Qu'il en soit ainsi pour chacune de nos vies. Amen. À bientôt.